Bonjour les amis, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. On va parler de quoi? Du nouveau Zebrazomag. C'est parti. Alors comme d'habitude, si tu veux nous encourager et nous soutenir, mets un petit pouce bleu, n'hésite pas à partager cette vidéo sur les différents réseaux sociaux et surtout abonne-toi si ce n'est pas déjà fait à la chaîne ARMP et bien sûr, petite cloche de notification. Allez go, c'est parti pour le Zebrazomag. Découvrir ensemble le nouveau Zebrazomag, donc qui est le Zebrazomag mai, juin, juillet 2020. Donc nous n'allons comme d'habitude le survoler. On va pas rentrer dans le détail du magazine, mais on va le survoler ensemble. Alors, en couverture, nous avons bien choisir et acclimater ces poissons. Voilà, nous aurons un retour sur retour aux sources, expérience sur la tuyauterie, un très beau reportage sur la tuyauterie de nos aquariums. Et on aura un petit lexique des coraux, Made in USA, où on pourra identifier les souches venues des USA, comment un peu les Américains appellent leurs souches, qui ont toujours des petits noms un peu particuliers. On va voir ça rapidement ensemble. Donc le magazine est édité par Animalia. Et voilà, le Zebrazomag, mai, juin, juillet 2020. Alors, première de couverture, vous avez vu un peu l'en-tête du magazine. Ensuite, nous avons Aquarium System qui présente ses produits, donc le sel Instant Océan, le Reef Cristal, ainsi que ses toutes nouvelles bactéries qui vont être détaillées dans le magazine. Le petit lexique, donc toujours actuel. Nous avons le côté pratique, le côté technique, la vie marine. Vous avez, voilà, à chaque fois des étapes dans le magazine Zebrazomag. Le petit encart ARMP, n'hésitez pas, hein, lâchez votre petit pouce bleu pour encouragement de référencement. Un petit review sur les Reef Wave de chez Red Sea, la bibliothèque du vivant. On survole rapidement Aquarium System, présentation des toutes nouvelles bactéries, on en parlera tout à l'heure. Le Reef Cristal, les usines. Ça peut être un review sur tout ce qui est le matos de Aquarium System. Et ça, c'est une nouvelle bactérie que je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc c'est du gel. C'est du gel en fait qui sert pour votre aquarium pour mettre des bactéries. Et au moment où le gel en fait n'est plus actif, ça change de couleur. Donc petit review sur Aquarium System et ses nouvelles bactéries. Les coraux, la course contre la montre face au changement climatique. On n'en parle que trop en ce moment. Le réchauffement de la planète fait que les barrières de corail commencent à s'exterminer les unes après les autres, hein. Le blanchiment aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, un petit review là-dessus. Toute la gamme, hein, d'Animalia, différents magazines. La Cantophilia, un petit review avec Hervé Rousseau sur les Acanthophilia. Alpheus, ceux qui ne connaissent pas Alpheus, très très bonne rampe pour le récifal, pour le découvrir. Vous avez son adresse, radiométrique compact, nouveau radiométrique, la tuyauterie. Alors actuellement, il y a un grand boom de tout ce qui est décante, tout ce qui est en fait dessous du bac apparence. Où de plus en plus de gens font des tuyauteries de vraiment haut de gamme, hein, en alliant le design, la pureté de la tuyauterie. On voit beaucoup de tuyaux rouges, de tuyaux blancs, voilà, là on voit, c'est vraiment le détail. Aujourd'hui, maintenant, beaucoup de gens n'ont plus accès à des meubles, donc ils mettent des châssis et on voit en fait les décantes apparentes. Donc ça fait maintenant partie intégrante du récifal de voir en fait la partie technique de l'aquarium. Sur la tuyauterie, voilà, je vais pas tout vous détailler. Un petit encart sur Tunes. Le Zebrazomag, si vous voulez vous inscrire et vous abonner. Le petit Zebrazomag. Tout savoir sur les duretés, donc fait par l'expert, donc Geoffrey Dissler, la dureté de l'eau. Alors ça, très intéressant. Ça reprend un peu ce qu'avait fait Fabrice sur sa chaîne YouTube, les différentes colles, laquelle choisir, comment coller. Il y a tellement de colles sur le marché aujourd'hui que là vous aurez vraiment un petit lexique qui reprendra, vous verrez juste derrière, toutes les colles. La façon de coller, il y a énormément de colles sur le marché, hein. Vous avez des bicomposants, vous avez des colles
cyanocrylate, vous allez avoir des cols billes, thermo quelque chose, je ne sais plus le nom exact, mais en tout cas c'est des petites billes qui se ramollissent au contact de l'eau chaude, et après vous pouvez, elle est assez malléable et vous pouvez coller des coraux assez facilement. Vous avez le ciment prompt, vous avez pas mal de cols disponibles, et là vous avez en fait un petit lexique qui reprend chaque col, donc avec le nom de la marque, le nom commercial, la composition, le temps de durcissement, là vous l'avez en photo, la couleur après mélange, la masse et les remarques éventuelles. Donc voilà, ça reprend un peu toutes les gammes de colle. Donc pour en citer quelques-unes, il y a Aquaforest, Aquamedic, vous avez Aquarium System, ATI, Deltec, Ecotech Marine, Fauna Marin, Grotech, JBL, Maxpec, Nios. Voilà, plein de genres de petites colles, Tudes aussi. Là, on rentre dans le côté un petit peu lexical. Donc là, vous avez vraiment le côté lexique des souches de coraux Made in USA. Alors, vous savez que tout ce qui est nom un peu Strawberry Shortcake, tout ce qui est Walt Disney, tout ça, ça vient un peu des States. Et donc là, on nous dit un peu, voilà, le Belding Apple, Bonsai, Birdie of Paradise, Boons, voilà les noms un petit peu qui viennent des États-Unis. Voilà, Lakers, Rainbow Chalice, Red Planet, Red Dragon. Vous avez un paquet de petites choses là. Vous avez un petit peu les noms qui sont là. Donc ça, c'est toujours sympa. Dragon Soul pour les Ophélias. Forest Fire. Donc voilà, il y a pas mal de... Ça, c'est intéressant de voir ça un petit peu. Il y a un petit lexique sur les différentes souches. Made in USA, Walt Disney. Là, on voit bien tout ça. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc... Bon, il y a un petit panel des souches un peu, voilà. Made in USA, un beau chalice, très très beau. Ça, je l'ai dans mon bac, tiens. Ice Fire Equinata. C'est assez intéressant. Alors, les raretés. Les Pseudanthias. Flavogutatus, ce qu'il y en avait il n'y a pas très longtemps au comptoir du récif. Donc là, c'est un article fait par Sabine Pénisson. Donc des petites raretés. Bien choisir et bien accueillir ces poissons. Voilà, voilà. Toujours choisir des animaux qui soient compatibles. Vous avez un petit article là-dessus. Je vous montre un petit peu. Encore une fois, on survole le magazine ensemble. Petite pub de Royal Nature. Acanthophilia, le donut de l'aquarium récifal par Vincent Chalias. Voilà, Acanthophilia. Différentes sortes, assez jolies. Elles sont belles. Coral Care King Booster. Avec leur nouvelle façon de faire flotter leurs aimants. Silarina, très joli. Du rouge, du bleu, du vert, assez sympa. Un petit article sur le Silarina. Détecter les maladies des poissons à l'aide d'un microscope. Voilà, comme ça vous pouvez avoir un peu tout ça, donc contrôle approximatif, l'intérêt du microscope. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller pousser un peu le vice dans les maladies liées aux poissons. Voilà, on voit un petit peu tout ce qui est fait au microscope, le détail du microscope. Microscope et maladies, mais pas que. DavBio, notre partenaire aussi DavBio, qui la présente. Microfaune et bactéries. Bon, là vous avez le petit aqualogue du magazine Animalia. Et voilà, on finit par une petite pub de Maxpec, écumeur, rampe, pompe de brassage. Voilà les amis, le petit Zebrazomag, nouveau mai, juin, juillet 2020. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.